d'améliorer la gestion des matières résiduelles, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rend obligatoire, dès le 15 septembre 2014, le bac à ordures sur roues avec prise européenne pour les résidences et immeubles de 5 logis et moins. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux résidents du Vieux-Saint-Jean habitant dans le quadrilatère formé des rues Frontenac, Duquay, Foch et Mercier. C'est ce qu'ont annoncé conjointement le 22 avril dernier Mme Christiane Marcoux, présidente de Compo au Richelieu, et le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Michel Fecteau. L'objectif d'une telle mesure? Réaliser une gestion plus intégrée des matières résiduelles en uniformisant la méthode de leur collecte et maintenir un environnement propre en limitant l'accès aux ordures pour les corneilles et autres animaux. Dans les prochaines années, la municipalité devra se conformer aux objectifs gouvernementaux en réduisant de 60 % les matières organiques envoyées aux ordures. En 2020, seules les matières non valorisables, ce qu'on appelle le déchet ultime, devraient se retrouver dans le bac à ordures. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'uniformiser la méthode de collecte des matières résiduelles au moyen du bac roulant en vue de faire place à l'éventuelle collecte à trois voies, c'est-à-dire celle des ordures de matières recyclables et des matières organiques au moyen de trois bacs différents. Les propriétaires de résidences et les locataires des immeubles de 5 logis et moins sont responsables d'acheter leur bac de 240 ou 360 litres pour disposer de leurs ordures ménagères. À compter du 15 septembre 2014, le contenu des poubelles non conformes ne sera plus recueilli par les camions collecteurs. Lors de son achat, quel bac choisir? Le bac conforme est celui avec une prise européenne, vert de préférence. Le bac avec une prise américaine ne pourra être vidé par les camions collecteurs. Le bac bleu ne sera pas accepté, de même qu'il sera interdit d'utiliser le bac de recyclage comme poubelle. Les citoyens peuvent opter pour un bac à ordures de 240 ou 360 litres. Cependant, en prévision de l'arrivée du bac brun pour la collecte des matières organiques, il faut penser à l'espace occupé par trois bacs et au fait qu'il y aura éventuellement moins de matière dans la poubelle. Des bacs à ordures roulants à prise européenne de 240 et 360 litres sont en vente dans les principaux centres de rénovation et quincailleries de la région. Les prix et qualités peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Ces bacs sont aussi en vente chez Compo au Richelieu. La gestion responsable des matières résiduelles est un objectif de société qu'il faudra atteindre dans les prochaines années. Le bac à ordures sur roues représente un pas de plus vers la réalisation de ce grand défi collectif que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est prête à relever.